Eh oui, j'ai réussi. Si vous avez toujours pas vu la vidéo où je demande à Tristan s'il veut que je lui apprenne le salto arrière, allez la voir en haut à droite. Et du coup, le soir même, il m'a répondu. Et ça, c'est grâce à vous, parce que vous avez bombardé de stories et il a réussi à avoir ma vidéo. Donc merci à vous déjà. Du coup, comment ça s'est passé? J'ai fait une vidéo où je demande à Tristan s'il veut que je lui apprenne le salto arrière. Et ce qui est fou, c'est qu'il m'a répondu le soir même avec des vocaux. Je pensais vraiment pas qu'il allait me répondre, j'étais trop content. Et du coup, bah il m'a dit, vas-y, bah le tournage, on fait ça la semaine prochaine. En fait, il avait déjà prévu de faire le salto arrière. Moi, j'étais un peu dégoûté parce qu'il avait déjà pris quelqu'un. Et surtout que la personne qui l'a ramené, d'ailleurs, je vous mets sur Instagram, sur YouTube ici, du gars, trop gentil, Aurélien. Et du coup, il avait un palmarès de ouf dans la gym, en fait. Donc, je vous laisse aller voir sur Instagram. Donc, j'allais pas, moi, du haut de mon niveau de merde en gymnastique, savoir faire juste le salto arrière, lui dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Je donne aucune leçon à des personnes qui sont au-dessus de moi. Ça, c'est un truc que je peux pas faire déjà. Même des personnes qui sont en dessous de moi, j'aime pas donner des leçons déjà, mais non en fait. Donc du coup, bah voilà, j'ai apporté quelques conseils, mais vraiment pas grand chose, parce que vu qu'il était déjà là, en plus il l'a super bien accompagné, il lui a super bien montré les étapes du salto arrière. Le plus important, j'ai vu qu'il a mis beaucoup de sécurité, et que moi, c'est vrai que quand je l'apprenais aux autres, je mettais moins de sécurité, et je sais que maintenant, par rapport à ce que j'ai vu, comment il l'apprenait, ça m'a appris quelques bases, quelques trucs en plus que je ne savais pas pour apprendre le salto arrière, et c'est super important. Donc le soir même il a fait des vocaux en me disant ok, le tournage c'est la semaine prochaine. Mais en fait demain matin je pars au ski avec ma soeur et mon beau-frère. Comment faire? Du coup en fait j'avais le choix entre partir au ski ou faire une vidéo avec Tristan. Je suis quelqu'un de très indécis en plus, faut savoir. Du coup c'était vraiment horrible comme choix. Finalement j'ai trouvé une solution, j'ai été trop content. Je suis parti au ski, j'ai capté que ma station était à 1 heure de Lyon, là où il était pour le trampoline park. Donc je me suis dit vas-y, c'est le combo parfait, je fais ça. Au final du coup j'ai été au trampoline park, je suis resté 2 heures, c'était juste trop bien. Ses potes m'ont mis à l'aise, lui m'a mis à l'aise. Des personnes super, vraiment super accueillantes. Vraiment des personnes que j'ai pas l'habitude de rencontrer. Vraiment des personnes qui m'ont mis à l'aise dès le début. Parce que moi je suis quelqu'un d'un peu timide quand même, un peu réservé timide. Et ils m'ont mis à l'aise dès le début. Donc ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs je vous laisse aller voir l'interview que j'ai fait avec Tristan. L'interview comment réussir sa vie. Et surtout comment rester humble, simple. Et surtout rester humain. Parce que lui il a quand même une grosse personnalité. Il a quand même beaucoup de gens qui le suivent. Donc rester humain comme il l'est actuellement, c'est super important et c'est magnifique, c'est tout. Donc je sais pas si vous avez vu, hier Tristan a sorti sa vidéo où il apprend le salto arrière en 5 jours. Malheureusement à la fin, on voit qu'il l'a mis, mais il n'arrive pas à lancer sur l'herbe, c'est un blocage de ouf. Donc bref, c'est normal, quand vous l'apprenez le salto arrière, le lendemain vous allez avoir un blocage. Donc ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais pas vous apprendre à faire le salto arrière, parce que tout simplement que j'ai déjà fait une vidéo sur ça et j'ai bientôt vous en faire une autre, et beaucoup... Vous allez voir, donc je vais sortir bientôt une vidéo sur comment faire le salto arrière de A à Z, tout seul sans forcément avoir besoin de quelqu'un qui sache faire le salto arrière. Donc je vais vous montrer les étapes intermédiaires pour apprendre le salto arrière le plus rapidement possible, efficacement et surtout avec le plus de sécurité possible. Et que surtout vous allez garder sur du long terme et pas le mettre un jour et après le lendemain, oh j'arrive plus à le refaire, c'est mort. Donc vous allez voir, ça va être une vidéo super intéressante pour ceux qui veulent apprendre le salto arrière. Donc là vous allez vous dire mais pourquoi tu refais une vidéo alors que Tristan a déjà fait une vidéo, super bien réalisée d'ailleurs. Parce que j'ai des plans que lui n'avait pas et surtout que lui il a fait sa vidéo sur 5 jours, ok. Donc moi le jour où je suis venu, la vidéo elle a dû faire en tout sur sa vidéo à lui 2 minutes. Alors j'ai plein de rushs qui sont drôles et intéressants, donc c'est pour ça que je voulais vraiment partager avec vous les rushs que j'avais de Tristan où il apprenait le salto arrière avec son pote. Bref, vous allez voir les images, c'est super intéressant. Hein et... ah ça part sur la gymnastique, ça... Tristan, il en reste en bas. C'est moi qui vais avoir les saltos. Putain, tête de merde. Ouais, t'as complètement découvert. Oh ouais. On toque chez un S9 et 8. Celui-là est pro. Bah celui-là il est très bien. Ouais. Et genre vraiment il n'y a pas eu de tête. Et tu l'as offert de la carrière. 1, 2, 3. C'est pas mal hein. Non, t'inquiète. What? Mais il a failli se tuer là. Anthony, Anthony t'as failli te tuer là. Non mais arrête, fais plus jamais ça, j'ai eu peur. Et encore j'ai pas bien vu que je filmais. Je crois que j'ai même pas eu du coup tellement j'ai flippé. Il a failli se manger les dents. Vas-y on part sur le sol là. Ça part sur du sol. Là, ce que je lui explique en gros, c'est l'étape intermédiaire pour commencer à vouloir faire le salto arrière sur le sol, c'est de se lancer sur le tapis, en arrière sur le dos, pour pouvoir commencer à se mettre en confiance. Dis-toi qu'il est sur le derrière, il y a de la mousse. Je te jure, je vais tellement t'envoyer fort, tu pourras jamais tomber sur la piste. Mais qu'est-ce qui est le plus compliqué? Non, mais m'envoie pas trop fort non plus. Non, t'inquiète, je sais. Qu'est-ce qui est le plus compliqué en fait? Ouais, c'est pas le plus compliqué pour ça. C'est de me lancer en fait. C'est dire que là, il y a pas de. Je te jure, je vais te lancer une fois, après tu vas remonter direct, tu vas vouloir le refaire. C'est vrai là ou pas tout sans peine? Je vais te faire un décompte. Je vais te tenir là et là en haut. Ça vas-y, recule un peu plus. Alors on va se coller au tapis. Allez, viens. Si tu veux. Tu veux filmer ça peut-être? Bah, il s'apprête à y aller. J'annonce, il y en a un qui va se prendre une manchette. Ok. 3. Allez, 1, 2, 3. Non, c'était bon là. T'allais y aller là. Par contre, il va pas comme un bourrin, genre. Ouais. Tranquille. Mais comme ça me... sur là, comme sur là. Comme même sur là. Que là, genre. On va te lancer. Tête droite, genou. C'est la même méthode. Nous, on va te la donner la hauteur et la rotation. Ça me fait peur. Tu découpes pas là. Pousse-toi. Non. Pousse-toi, parez-moi avant de bouger. Vas-y, vas-y, je suis chaud. Sérieux? Sauf qu'il y en a qui passent à la derrière. C'est bon? T'es prêt? Alors ça vraiment. Vous me parez? Ouais. 1, 2, 2. Yeah. Encore. Attends, avance, laisse pas sur le tapis. Oui, pas la technique. Vas-y, allez. Là, retourne là-bas. Ah, c'est bien. Pas mal. Vas-y, allez, vas-y. 1, 2. Attends, regarde les go là. Tiens, ça pue les go là. 1, 2. Maintenant. Attends. 1, 2, 3. Maintenant. Vas-y, laisse faire les gros. Vas-y, attends, pousse-toi. Vas-y, viens. 1, 2, vraiment, vas-y. Allez. 1, 2, 3. Putain, mais. Laisse faire les gros. Va refaire là-bas. 2. Non, voilà, c'est bien là. T'es debout? Ah, j'ai presque pas touché. T'as pas mis les mains par terre. Moi, j'ai pas touché, moi. Si tu mets pas les mains, c'est gagné, hein. Ok. Il y a trop d'égo là. C'est une battle d'égo les trucs. Non, s'il n'y a pas besoin, je trouve pas. Pareil là. Restez pas loin, bande de bâtards, je vous sens vous éloigner. Ok, cherche la hauteur, vas-y. Haut, tête, je n'aime que le dernier. Allez, 1, 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis une manchette à quelqu'un. J'annonce, il y en a un qui va se prendre une manchette. Merde! C'était mon genou? Je sais pas, mais ça fait mal. Voilà! Yes! Erwan, day one! Ah, le bâtard! Ça tourne mal! Ah ouais! Je veux bien voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, là-dessus, ça passe direct. Tu veux pas aller rester là? Je vais essayer d'en enchaîner là. Bah, c'est vraiment une question de barrière limitante. Ouais. Mais une fois à vous, une fois que tu dépasses. Ouais, là c'est bon, tu te dis bon, bah, au pire. Plus dépasser une barrière. Même là, t'as dû mettre du temps à dépasser la barrière. Là. Ouais, à mort. Ah bah là. Une heure, j'étais là. Allez, normal. Pas trop loin en arrière. T'es comme ça. Cassandra, ma soeur, elle est comme ça avec la caméra. Il y a les mousses, il y a les mousses. Rien t'arrive de ouais. Tu sautes, tu grippes tes putains de jambes. Ouais. Imagine. Ça, c'était blocage, ça là. Ah, y'a plus de blocage, y'a plus rien. Allez. Mais en fait, j'ai peur d'oublier. T'as pas peur, t'as pas peur. Allez. Il est là. 2. Allez. On va direct de merde. Termine. Maintenant. 2. Réfléchis pas. La mine, tu le mets, c'est la même chose. Allez, vas-y. Allez. Putain, mais je suis pas une pute. Ouais. Vas-y, 1. Calme, 2. 1. Allez, t'y vas, c'est tout. Allez. T'as pas sauté là. T'as raison. T'as oublié une étape. L'étape sautée, elle est où? L'étape sautée. Elle a juste tourné là. On aurait dit un hamster sur une roue à l'envers, genre. Ah, t'as vraiment. T'as vu? T'as vraiment pas sauté. T'as fait ça. Bon, boule à l'arrière. Attends, la méthode se connaît là. J'ai un vrai blocage. Ouais. C'était pas loin quand même. C'est bon, tout de suite, on remet le même. Ouais, tu réfléchis pas. Tu fais avec plus de patates, c'est de la hauteur là. Attends, réfléchis pas. 2. Yes. T'as trop regardé le sol, j'ai tourné ça. T'as pas touché, mais t'as repris tes défauts. Ouais, t'as tourné, t'as regardé le sol. Là, c'est bon, là, tu l'as là. On est à côté de. Mais là, je sens que vous êtes pas là. Si, si, on est là. Moi, je vais pas trop faire. T'inquiète, vas-y. Allez. Putain, ça me saoule. Réfléchis pas, sinon c'est mort. La rotation, ça va aller. Au pire, toi, t'auras juste à le pousser vers moi s'il va là-bas. Allez. Réfléchis pas, réfléchis. Ah, je sens qu'il va pas y aller. Si, 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 si. Mais il va y aller. Allez là. Je vais remettre là-bas, les gars. Réfléchis pas, réfléchis pas, allez, vas-y. Il va réussir, il m'a pas composé. Yes, frérot. It wrong. This time around, I'll be getting it right. Spend too much time in the dark. Seem like the old me that came to the light. I do it all for the. Thank you, brother. Whoa. Practice makes perfect, motherfuckers. Je fais rien. Je suis à côté au cas où, mais je fais rien. Gros, je colle. Ce truc, c'est le truc qui m'obsède depuis des années. Mais on va l'avoir. J'ai peur que ça rase ce truc. Waouh. Cette sensation, les gars, quand tu fais péter la barrière limitante là. Waouh, ça fait vraiment du bien. Tu te rends compte que everything is fucking possible. Vraiment, c'est. Il a la haine. Toi, toi, là, t'as juste peur. Mais oui. Moi aussi, j'ai peur. Tu crois quoi? Mais toi, t'arrives à passer tes peurs. Bah, ça se travaille. Toi, t'es un big boy. Même si tu tombes, moi, je suis un petit homme. Si tombé. Je tombe, ça fait la vérité. Oh. Ah. Attention pour les bracelets verts. Les bracelets verts, c'est terminé. Merci. C'est vraiment chaud. Ah ouais, ça tombe vraiment, ça passe à rien du tout. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller voir l'interview que j'ai fait avec Tristan. Vraiment super intéressante cette interview, elle est trop bien, elle va vous enrichir de ouf en termes de beaucoup de choses en fait. Vraiment, donc allez la voir. Et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo. Et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir, ok? Donc sur ce, bah, je vous fais des bisous, voilà, c'est tout. Allez, prenez soin de vous.